l'achat de Kitty Saha qui nous parle de cet événement tragique qui a été bien sûr la faute du veau d'or. Mais ce qui est marqué dans l'apparence cache énormément de choses que vont nous révéler le Midrash et également le Harizal. Dans le Midrash Rabba, il est dit la chose suivante. Re'u kara Adonai b'shem Betzalel ben Uriri ben Hur. Regarde comment Dieu a appelé celui qui en fait a fait, qui était responsable de l'œuvre du Mishkan, Betzalel. Il est qui il est? Le fils de Uri et le petit-fils de Hur. Et là, le Midrash pose la question, quelle était la nécessité de nous rappeler qu'il est le petit-fils de Hur? Et là, il dit le Midrash, au moment où les Béné Israël ont voulu faire de l'idolâtrie, donc c'était au moment du Vaudor, Natan Nafsho ala Kadosh Baruch Hu. Il a donné son âme pour Dieu. Velo iniham, il ne les a pas laissés, Amdu ve'argu, et malheureusement, ils l'ont tué. Et le Midrash raconte comment il a voulu les dissuader de ne pas faire le Vaudor, et qu'il a été, lui, a été tué. Et là, le Midrash, le Harizal vient nous expliquer que qui est d'abord qui est Hur, et qui aurait dû également être, aurait dû se laisser être tué, c'était Aaron à Cohen, comme on va le voir tout de suite, et on va voir quelle a été la conséquence de tout cela. Alors, question toute simple, avant de vous lire les textes du Harizal. Nous savons l'histoire des deux enfants de Adam Harishon, Caïn et Evel. Caïn tue Evel. Simplement, le Harizal vient nous enseigner un enseignement très important. Sache que si Evel n'avait pas été passible de mort, il n'aurait jamais été possible à Caïn de le tuer. Et je vais expliquer ce que cela veut dire. Ça ne veut pas dire que maintenant Caïn ne va pas être puni, puisqu'on le voit bien qu'au contraire, Dieu va le punir d'une manière terrible pour avoir assassiné son frère. Ce qui veut dire que bien que Evel est passible de mort, ça ne rend pas pour autant Caïn exempt de ce qu'il a fait. Ça nous fait rentrer dans ce sujet que le Rambam développe en long et en large. Puisque de toutes les façons, les Béné Israël devaient être assujettis, pourquoi les Égyptiens ont-ils été punis? Et bon, le Rambam qui dit oui, ils devaient être assujettis, mais il n'y avait pas marqué qui devait les prendre en esclaves. Et donc, c'est les Égyptiens qui ont décidé, eux, de faire ce rôle, sont punis. Et c'est dans cette même idée qu'il faut le savoir, que Evel a été passible de mort, et c'était pas pour cela, pour autant que Caïn devait pour autant le tuer. Alors, pourquoi Evel était passible de mort? Le peu que l'on sait, que le Harizal nous révèle, c'est que Evel, c'est avant de devenir complètement matériel, il n'est jamais devenu complètement matériel, puisque depuis Adam Harishon jusqu'au moment du déluge, il n'y a pas le monde n'est pas matériel comme il est aujourd'hui, et c'est ce qui explique comment même après la faute que Caïn ait faite, Dieu lui parle. Qui aujourd'hui peut parler à Dieu? Parce qu'on est complètement dans la matière, on est tellement matériel qu'on ne peut pas dialoguer avec Akadosh Baruch Hu. Alors que eux étaient, même après la faute, il faut le savoir, comme je vous l'ai déjà dit dans différents cours, la vie sur terre était, jusqu'au déluge, tout n'avait rien à voir avec la vie qui est sur terre actuellement. Ils étaient bien, bien, bien plus spirituels que nous. Et donc, en tous les cas,
dans cet état de spiritualité, Hevel a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Il nous juste dit qu'il a, il a fait une entache dans la marchava, dans la pensée élevée, sans nous donner de détails. Mais ce qu'on doit retenir, c'est qu'il n'aurait pas pu subir de conséquences aussi fâcheuses d'être tué s'il n'était pas passible de mort. Et dans ce cas-là, on devrait se poser la même question par rapport à Hur. On va soulever des questions, on va éclairer les choses, mais on va, ce qu'on va pouvoir au maximum expliquer, on l'expliquera en fonction de ce que nous savons. Mais bien sûr qu'il faut demander à Hachem de nous éclairer. Et là, pour savoir qui est Hur, ça va donner déjà une idée quand même. Voilà ce qui est marqué dans le Sha'ar HaGilgulim. Il dit comme ça, Oda. Dans le Sha'ar HaGilgulim, c'est un livre du Harizal, et qui est dans la Hagdama Chet, il est dit, Oda, sache aussi, qui est Shkama Shorashim Shel Neshamot, Shenashru Baklipot. Il y a un grand nombre de racines d'âme qui sont tombées dans les Klipot. Hem, Veneshehem Badzugam. Ces âmes et leurs épouses. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que des âmes qui sont tombées dans la Klipa? En fait, dans un autre endroit, le Harizal explique qu'au moment de la faute de Adam Harishon, que s'est-il passé? Toutes les âmes étaient dans Adam Harishon de l'ensemble du peuple d'Israël. Et une partie des âmes qui étaient en lui s'est retirée et remontée vers le haut. C'est la partie la plus élevée. Une partie est restée dans Adam Harishon, et cette allusion, ils l'ont faite nos sages en disant que Adam Harishon a été la chala du monde. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous savez que lorsqu'on a une patte et que la femme doit prélever la chala, c'est un centième de cette patte. Un peu de cette pâte, elle prélève, ça s'appelle la chala. 2 centièmes, pardon. Et donc, Adam Harishon est resté en lui, un deuxième niveau qui est resté en lui, et il y a la plus grande partie de tout le reste des âmes qui étaient en lui sont tombées dans le mal, se sont mélangées au mal. C'est-à-dire, il y avait 3 niveaux. Il y a la partie des âmes les plus élevées, une petite partie seulement qui s'est retirée de lui, qui remontait vers le haut. Partie inférieure qui est restée en lui, mais qui est supérieure au troisième niveau. Troisième niveau, ceux qui sont tombés. Pourquoi cette différence? Pourquoi il y a des âmes qui sont montées, d'autres qui restent, d'autres qui tombent? Pour mieux le comprendre, il faut le savoir que quand on parle de la faute d'Adam Harishon, qu'on ne connaît pas réellement la profondeur. Il faut savoir qu'étant donné que dans Adam Harishon, il y avait l'ensemble des âmes qui vont venir dans les 6000 ans, chacun a joué un rôle. C'est-à-dire que chacun a une part en cela. Il y en a qui, au contraire, on voulait empêcher la faute, l'en dissuader. Il y en a qui, au contraire, l'ont poussé. Donc, ça veut dire que finalement, l'agissement qu'il y a eu à ce moment-là de la faute d'Adam Harishon, chacun en subit les conséquences. Ça veut dire qu'il est responsable de ce qu'il a fait. Et là, c'est une nouveauté par rapport à ce qu'on a toujours parlé dans nos cours. J'ai souvent parlé d'une période qui est antérieure à la faute d'Adam Harishon, le monde du Taureau. Il y a notre période. Et là, maintenant, on commence à voir qu'on a une deuxième étape entre les deux, qui est notre participation dans la faute d'Adam Harishon. Donc déjà, on va déjà expliquer un peu, voir ce qui est marqué ici avec Hur. Et il nous dit quelque chose de très surprenant. Et on nous dit que en fait, il parle de tous ceux parmi ceux qui sont tombés dans ces racines de dames qui sont tombées dans la Klipa, dans le mal. Il y en a qui vont réussir à sortir
et à revenir dans ce monde pendant ces 6000 ans, mais leurs épouses, elles ne rêvent pas à sortir et sont emprisonnées dans le mal jusqu'à la venue du Mashiach. Et Hur fait partie de cette catégorie, c'est-à-dire que tout celui qui vient de la racine de Hur ne pourra jamais épouser sa vraie destinée, puisque sa vraie destinée n'est jamais sortie de ce qu'on appelle la clipa du mal, elle est enfouie à l'intérieur. Et ce qu'il dit, qu'elles pourront pas leur dire. Et après, il continue en nous disant que Aaron à Cohen également, bien qu'il se soit marié, Bamchour s'est marié puisque Betzalel c'est son petit-fils, il dit bien que Aaron à Cohen se soit marié, il n'a pas pu prendre sa vraie destinée parce que lui est très proche de la Neshama de Hur, le fils de Myriam. Et là, dans le Char à Gilgoulim, il va parler des périodes antérieures, c'est-à-dire avant cet événement du Vaudor où Aaron et Hur est tué, et Aaron aurait dû se laisser tuer, ne l'a pas fait. Il nous montre que Aaron est le Gilgoul de Haran. Haran, c'est le neveu d'Avraham Avinu qui a été brûlé lorsqu'on a jeté dans les fournaises ardentes Avraham Avinu. Avraham a été sauvé miraculeusement. Et Haran disait, bon, on va voir. Si Avraham est sauvé, alors lui se jettera aussi dans le feu, sinon non. Finalement, il a été brûlé, mais comme il ne l'a pas fait de plein gré, c'est juste dans le doute, il n'a pas réparé ce qu'il aurait dû réparer dans son âme. Et c'est pour ça que cette âme, en revenant, devait également se laisser tuer, c'était Aaron à Cohen. Et étant donné qu'il ne s'est pas laissé tuer, il a été la cause, entre autres, du décès de ses deux enfants, Nadav et Avihu. Et là, dans le Harizal, est ramené les différentes Gilgoulim que va subir ensuite Adam Harishon. Que va subir les différents Gilgoulim que va subir Aaron par la suite. Bien sûr, et il explique donc déjà, chose très intéressante, c'est que tel que nous lisons la Bible et donc son histoire, c'est une des options que nous, de la manière dont les lettres sont unies qui nous donne ce résultat. Mais, en réalité, il y avait une autre option qui aurait changé tout le cours de l'histoire, c'est que également Aaron aurait été assassiné par ceux qui ont voulu faire le Vaudor. Maintenant, ça vient d'abord nous répondre aussi à plusieurs choses. Question également que pose le Harizal, il dit, bon, là on voit que Hur est un tzaddik. Oui, mais il est le Gilgoul d'une période. C'est-à-dire que apparemment, du premier texte que je vous ai lu, dans lequel on nous dit que ça, il fait partie de ces Neshamot qui sont tombés si bas dans les clipotes que les masculins, les hommes peuvent en sortir et non pas les femmes, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose. On ne sait pas quoi, qu'est-ce qui s'est passé, mais comme le dit le Harizal, il dit quand on voit au moment de la destruction du temple, il y a une génération entière qui va subir des atrocités, et pourtant ceux qui ont fauté ne sont plus là. Il dit oui, ceux qui ont fauté ne sont plus là, mais ils sont revenus en Gilgoul et ils subissent en fait ce qu'ils ont fait dans leur vie antérieure. Je vous rappelle également ce que le Chida a dit, Kol al-amcha bagalgal yeshuvun. Toutes les questions que tu peux te poser pour ce qui t'arrive dans la vie, si tu connais le sens du Gilgoul, ça te répondra à tes questions. D'ailleurs, le Chida raconte que lorsque la période les 30 dernières années de sa vie, quand il a vécu en Italie, il raconte qu'il vivait dans une maison chez des gens qui l'ont très bien reçu, qui étaient très vraiment ont eu vis-à-vis de lui une attitude plus qu'extraordinaire. Il raconte que dans cette famille où s'est trouvé une certaine période, est né un enfant qui, depuis la naissance, souffrait terriblement. Et les voisins de ces gens-là, c'était un médecin juif,
un médecin qui avait commencé à être influencé par le courant de l'émancipation qui soufflait à ce moment-là. Et la première chose qu'a rejeté le mouvement de l'émancipation, c'est justement la notion de ce côté caché de la Torah. Et ils ne voulaient plus entendre parler de Gilgoul, que pour eux, c'était quelque chose qui était n'importe quoi. Ça a été le début de l'émancipation. Avant tout, la première chose qu'elle a commencé à rejeter, c'est la Kabbalah, l'intériorité de la Torah. Et donc, le Chida, qui avait souvent discuté avec ce médecin, n'a jamais réussi à le convaincre. Mais c'est passé un événement qui l'a convaincu. Donc, ce médecin qui a été subitement appelé chez les voisins parce que l'enfant souffrait terriblement, l'enfant avait 6 mois et ça faisait des mois que ce médecin s'en occupait. Et une nuit, le Chida était présent, on va chercher le médecin, il vient pour essayer de calmer les douleurs de l'enfant. Et là, sa grande surprise, devant tout le monde qui était présent, l'enfant s'assoit, un bébé de 6 mois, se met à dire Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Le bébé se recouche et part de ce monde. Alors, un bébé qui ne parlait pas encore. Et là, lorsque le médecin assistait à cet événement, il a dit tout de suite au Chida, ça y est, je reconnais que c'est toi qui as raison, je change d'avis. Qu'est-ce que ça veut dire? On voit un bébé souffrir pendant des mois et partir de cette manière-là. Tout simplement, ça veut dire que chacun de nous, quand il vient dans ce monde, vient réparer des événements antécédents, des effets qu'il a fait dans sa vie d'avant. Et ça explique que des fois on voit des tzadikim souffrir. Oui, maintenant ils sont tzadikim, mais on ne sait pas ce qui s'est passé antérieurement. Et plus que cela, on ne sait pas quelle a été notre part de responsabilité quand on était dans Adam HaRishon. Je voudrais juste vous rappeler cette anecdote merveilleuse, cette histoire authentique, où un jour, d'ailleurs c'est bientôt la Hiloula du Rabbi Elimelech de Lijinsk, c'est le 21 Adar, un jour, son frère Rabbi Zouché a dit « Elimelech, toi, tu étais ta neshama était dans la main de Adam HaRishon. » Et il lui dit « Comment se fait-il que tu ne l'as pas empêché de fauter ?» Bien sûr, c'est une image, mais ce qu'il voulait dire, toi, tu as été un tzaddik même quand tu étais dans Adam HaRishon. Donc, comment tu n'as pas réussi à l'empêcher de fauter? Et il lui a répondu, étant donné que le Satan lui avait dit que le jour où il goûterait du fruit défendu, il serait comme Dieu, il lui a dit, j'ai préféré qu'il faute, mais qu'il voyait que le Satan est un menteur, et que tout ce qu'il lui a dit ne tient pas la route pour que ce soit un enseignement pour toutes les générations. Cette image veut juste simplement nous montrer qu'on a aussi quelque chose à régler par rapport à la participation dans Adam HaRishon. Et là, c'est que de cette manière-là qu'on peut le comprendre. Bien sûr, question, c'est pourquoi la Torah n'a pas parlé du tout, c'est dans le Midrash, on ne voit pas Hur apparaître, assassiné. Tout cet événement n'est pas raconté. Il y a beaucoup d'événements que la Torah ne raconte pas de manière explicite. C'est souvent des fois pour honorer la personne que ça concerne, pour d'autres raisons qu'on ne connaissons pas. Mais de là, nous voyons déjà que quand on va nous trouver dans la Torah, en mettant des lettres les unes avec les autres à distance, des faits, des événements qui se sont passés, ça ne veut en aucunement dire que ces événements devaient se passer ainsi, pas du tout. Les événements auraient pu être complètement différents, et voilà l'exemple le plus flagrant, c'est celui de Aaron, qui normalement, le Harizal nous révèle, que lui n'aurait jamais dû marcher avec le Erev Rav, ni chercher à le retenir, mais il devait se laisser. Pourquoi il ne s'est pas laissé tuer? Lui pensait qu'il savait qu'il y avait une réparation à faire au niveau de l'âme, mais voyant que Hur a été assassiné, et qu'ils sont de la même origine d'âme, il pensait que c'était suffisant pour réparer cette catégorie d'âme qui doit subir cette mort. Et comme il s'est trompé, il ne l'a pas fait volontairement,
c'est pour ça qu'il ne s'est pas donné, s'est pas laissé assassiner par le Harev Rav, alors il y a eu des conséquences qui nous sont racontées en long et en large dans le Shaar HaGilgulim. Ce qu'on doit retenir de tous ces événements, c'est que tout est calculé, tout est juste, on ne comprend pas. Viendra un jour, reviendra le Mashiach, on comprendra. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on ne comprend pas les événements, qu'on doit avoir à redire à Hachem. On doit demander à essayer de changer, on peut réparer différemment. Il y a différentes manières de changer le cours des événements. Si on est conscient que ce qui arrive, on doit le subir, mais qu'on demande à Hachem de faire la réparation d'une manière différente, alors on peut changer le cours des choses. Il n'y a pas de fatalisme chez nous. Et dans cette période, nous sommes justement dans les 30 jours avant Pessah, où Dieu nous aide à nous libérer, pas seulement de cette vie-là, du mal qu'on a fait dans cette vie, de tout ce qu'on a pu faire dans toutes les Gilgulim antérieures. C'est une opportunité pour nous de commencer à se reposer, à se remettre en question, d'avancer, de changer, et d'arriver à être des personnages libres. Et pour cela, il faut se préparer. Pour subir la liberté le soir de Pessah, il faut se préparer. Et je peux vous dire une chose, je comprends qu'il y a des familles entières qui veulent aller passer Pessah dans des hôtels, c'est plus facile, c'est plus agréable, tout ce que vous voulez. Mais souvent, à cause de cela, ils perdent l'essentiel de cette soirée, qui est une soirée où on doit arriver à sortir de nous-mêmes et à avancer d'une manière spectaculaire. C'est pour ça que c'est très important, dans la mesure du possible, c'est de faire chez soi Pessah et de prendre le temps de raconter la Haggadah, de vivre cette sortie d'Égypte, puisque c'est une sortie d'Égypte personnelle que chacun doit subir. Qu'Hachem nous éclaire et nous ouvre les yeux, qu'on puisse réparer sans souffrir nos erreurs de cette vie et des vies antérieures, et qu'on ait enfin la Géoula Shlema. Amen ve Amen. Jerusalem.